suffering will be legendary even in hell. Your suffering will be legendary even in hell. Décidément, hein. On ne s'en lassera jamais, hein, cet avertissement de Pinhead. Alors je suis très content, hein, j'ai réussi à tout préparer pour ce soir. En quelques heures. Tati Daniel m'a permis de retrouver mon jeu Silent Hill 3 que je vous montre ici. Ah, pour une fois le fond vert ne l'embête pas. Donc c'est la version pas PlayStation 2 auquel nous allons jouer, mais bon, une similaire. On a terminé Silent Hill 2 NNC Edition hier et là on va se lancer dans le Silent Hill 3. Il est sorti en 2003, soit 2 ans après le premier. On va tout de suite aller là où ça nous intéresse, c'est-à-dire le jeu. On va faire une nouvelle partie. Salut Léa. Oh, je pensais que t'allais enchaîner direct avec le 3. Super. Je pensais pas. Ah, tu pensais pas. Salut Léa. Salut Nick Taras. Bonsoir, je viens de finir une bouteille de rosé avec la meilleure amie de ma femme. Je suis pété comme un coing. Mais écoute, c'est parfait. On va être tout bon alors. On va être tout bon. Vous avez vu comment j'ai fait ça proprement là, autour de moi? Qu'est-ce que t'en penses toi le chien? Bon, lui il s'en fout, vous le savez. Vous le savez bien. J'ai essayé de faire ça joliment. Bon. Oui, j'enchaîne directement. J'ai mis les bouchées doubles. J'ai mis les bouchées doubles pour que Tati Daniel m'offre le jeu. Elle a ouvert son petit sac à main, elle a ouvert son petit porte-monnaie. Elle me l'a offert. Bon, là, il est à l'envers. Ah, et nous, on était au blanc. Ça va être frais. Ah bon, bah parfait. Bon, vous êtes prêts, vous m'avez l'air en forme. Très bien. Allez, on fait une nouvelle partie, nouveau jeu. On commence en normal et puis encore en normal. Vous me direz au niveau du son, hein. J'ai fait au mieux. Normalement, ça devrait être bien. C'est là où on va pouvoir faire le comparatif entre la NNC Edition et le Silent Hill 3 sorti 2 ans après. Ça m'a l'air propre là quand même. Hein. Ok, t'avais commencé par le 3, Nick Taras. Alors me demandez pas pourquoi c'est écrit en russe derrière. C'est Tati Daniel qui m'a offert le jeu, mais je crois qu'elle l'a acheté en Russie. Il était un petit peu moins cher. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais le jeu est en français. Bon, j'ai passé un temps fou à remapper les boutons. Voilà, là on a notre inventaire. Là on a notre petit Ashley, car on va l'apprendre, mais son nom est Ashley. Alors les contrôles, par contre, on revient à une version beaucoup moins souple. Hein. Un lapin en peluche. Non, c'est un déguisement. Y a-t-il quelqu'un là-dedans? On dirait bien, mais j'ai pas envie de vérifier. Alors est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar? Moi je ne me souviens plus de celui-ci. Hein. Un déguisement de lapin géant, qu'est-ce que ça fait ici? Je me souviens de l'histoire, mais je me souviens plus exactement. Bon, vous voyez les contrôles? C'est pas exactement pareil que l'autre. Je m'étais arrêté après 20 minutes de jeu. Le russe ajoute un petit côté tchernobylesque au truc, oui. Oula, 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 faut pas tomber. Ashley. On va peut-être pouvoir passer quand même par là. Non, il faut faire le tour. Non, on peut pas. Alors, j'ai tout mappé. Hein. Alors, j'ai un bouton pour avoir la caméra. J'ai passé un temps fou à remapper les boutons. Hein. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, mon Bluetooth me fait des siennes. Ah. Changement de caméra. Qui dit changement de caméra dit ouverture de porte. Oula, oula. Oh là, je l'ai esquivé, mais alors, je sais pas comment j'ai fait. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Alors ça va être plus tendu que pour l'autre. Hein.
Alors vous me direz si le jeu est trop sombre pour vous, si le son est bien. Si vous pouvez me faire un retour sur le son, ça sera parfait. Alors ça granule un peu plus. Mais ça, je l'avais enlevé dans la version Enhance, le granulage. Mais finalement, j'aurais peut-être pu le laisser parce que j'aime bien, moi. Donc là, on a une espèce de magasin de souvenirs, quoi. Ça n'en a pas en plus. Sa bouche est toute rouge. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Comme du sang, c'est dégoûtant. Ah, il y a quelque chose par terre, là? Non, c'est juste des jouets souvenirs ordinaires. Jamais j'aurais cru dire ordinaire dans un endroit pareil. Donc c'est une maniabilité à l'ancienne, hein. Faut que je m'y refasse, là. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Oui, on est dans le bain directement avec Silent Hill 3, c'est ce que j'apprécie. Une rangée de chemises à vendre. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour sur le son? Écoute, j'aime beaucoup le design de celui-là, le grain de l'image, la poussière, la saturation, la musette du truc. Ouais, moi j'aime bien aussi. Hein. J'allais faire une remarque, ce petit grain à l'image à l'ancienne. Bah oui, en fait j'aurais peut-être dû le laisser sur la NN's édition. Le son est bien, bon. C'est moi ou faut que je ressorte? Y a pas de porte, hein, on est d'accord. Alors la maniabilité est pas du tout pareille que la NES Edition. Ah si, il y a une petite porte ici. Mais elle a été fermée. Je viens d'essayer de l'ouvrir. Et voilà, c'est cassé. Ouais. C'est là qu'on voit le travail qui a été fait sur Silent Hill 2, quand on a manette en main. Mais quoi alors, faut que je ressorte? Allez, on va aller par là. Je ne me souviens plus. Par contre, ce que j'ai très peur, c'est que tout va être en russe. Oh là là, quel enfer! Alors qu'est-ce que c'est? Quelque chose dans une sorte de cage, une personne, pas vraiment. Quoi que ce soit, pas envie de le regarder pendant trop longtemps. Mon Dieu. Bon, je sais ce qu'il faut faire, mais... Mais je crois qu'on devrait aller quelque part quand même. Par où je suis arrivé? Ah non, voilà, il y a un petit chemin par ici. Voilà. Alors j'espère que ça va pas nous poser problème que tout soit en russe. Quel enfer! C'est verrouillé. Bon, faut que j'aille me battre. Hein. Pour sortir de ce cauchemar. On n'a pas de soins, on n'a rien. Un guichet à ticket. Il n'y a personne, c'est ça? Ouais. Bon, eux, ils sont très gros, mais ils sont très lents. Non mais c'est voulu. Vous allez comprendre.
J'essayais d'aller au maximum un petit peu partout, mais je savais qu'il fallait mourir. Voilà. M'en souvenir. Regardez les speedruns. Le son est pas trop fort quand c'est le cauchemardesque comme ça autour de moi. What a nightmare. Love Knacky. On va l'appeler comme ça. Knacky Man. Alors elle a un petit pendentif là, une espèce de couille. Non, le jeu est propre. Ça a bien vieilli. Par contre, tout est en russe. Hein. On s'est mis un handicap en plus là. D'accord. It's me. D'accord, Léa. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Cause pervers en impair là. Oh non, c'est très propre, c'est la version HD, c'est très bien. Heather, I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. C'est un détective. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. On n'a pas le temps, monsieur le détective. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Ah non, la version est très très propre. J'ai téléchargé la Definitive Edition. Are you still following me? Oh pardon, on me l'a offert. Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Ah bah à l'époque, en 2003, t'étais détective, t'avais un impair. Non, non, regardez, c'est très très propre. C'est très très propre. Le jeu est très très beau. Oh, pardon, excusez-moi, il faut que je lise. Et pourquoi ma tête me fait si mal quand j'essaie de me souvenir? C'est très très propre, c'est bien plus propre que ce que j'imaginais. Non, le jeu est sublime là. Ok, là on est dans les toilettes. On passe par la fenêtre pour échapper au détective. Bon, vous me connaissez, hein, j'aime bien aller voir dans les coins. Des caisses vides et tout un tas de trucs bloquent la route, je ne peux pas passer. Ça va être la régalade. Ah, il est beau, hein. Là, il n'y a pas besoin d'une NES édition, hein. Elle est vite épuisée, là. Ashley. Bon, on connaît pas encore son nom, hein. Par contre, vraiment, ce qui me fait peur, c'est que... Oui, c'est la version russe, hein. Donc, les panneaux et tout ça... Déjà que quand il y en a... Déjà que on n'a pas besoin de cet handicap, j'ai envie de dire. Un tas de trucs est collé là, mais rien d'utile. Ah oui, on peut rien lire. Le héros est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Oh mon dieu. Je sens que ça va être sympa. Hein. Bon, on pourra lire rien, on pourra rien lire. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, on a le jeu, hein. Là, on peut passer, là. Hein.
Ah, William is here. Hi, boss Ron. Hi, William. I was reading your message, sorry. Hi, William, how are you? On a trouvé un pistolet. Eh ben, on va apprendre à s'en servir très rapidement. J'ai l'impression pour cela, hein, pour les knackis là. Bon bah déjà, ah bravo Ashley. Ah mais ça suffit. J'étais mauvaise langue. Non moi j'ai pas fait, j'ai pas fait. What the hell is this thing? Mon Dieu. C'est pas humain, c'est sûr. C'est pas comme un animal. C'est pas un déguisement. Ça paraît dingue, mais monstre est le seul mot qui convient pour le décrire. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais je ne suis pas folle. Oui, le jeu est très très beau. Et j'ai jamais joué comme ça en HD. Pas le pistolet. De toute façon, je l'ai fait qu'une seule fois, celui-ci. Bon, alors là, il n'est pas question de recharger. Hein. Pour recharger... C'est armes. Ah oui, maintenant tout est rapide maintenant. On a notre menu et par catégorie. Je vais passer derrière pour voir s'il y a quelque chose. Rien de particulier m'attire l'œil sur le comptoir. Cette paire de poignes. Bon, là on va deviner que c'est le KGB. Non, c'est la sortie. Du coup, on arrivait par là? Je sais plus. C'est déverrouillé, c'était marqué? Oui. Alors le jeu va être plus dur. Hein. Je revérifie. Là, on était... On n'avait plus rien à y faire. Hein. Non, on n'avait plus rien à y faire. On y est rentré. Là, on a déverrouillé. On va continuer par là. Ah, la map. Et qu'on est la map. La map en russe. Donc on va dire que c'est le centre commercial, d'accord? As-tu le bill? Attirez-toi, Léa. Oui, l'œil. On va dire que c'est le premier étage. Ok? J'ai le plan du centre commercial. Bon, ça va, ils nous traduisent quand même. Donc là, si j'ai bien mappé les touches, on a le plan ici. Ok, donc on peut checker en face. J'ai appuyé mais l'ascenseur ne vient pas. Est-il en panne? Un petit escalier. Alors là, Ashley ne regardera pas les objets intéressants. Hein. Putain, la maniabilité, mon Dieu. Alors je m'y fasse. Oui, la map est en russe. Mais ça va aller. Ah oui, il y a bien. On peut lui mettre un petit coup de botte, voilà. Non mais le jeu est très très beau. Hein. Juste au niveau des contrôles, alors là c'est plus du tout... Ouais, j'ai appuyé mais l'ascenseur ne vient pas. Est-il en panne? Ok. Non, et, la map est en russe mais... Alors c'est sûr que quand ils vont nous dire on a la clé du directeur ou quelque chose, ça va être un petit peu... Ça va être autre chose. C'est une autre expérience. Là, il y a un cadenas. Hein. Bon, moi, j'ai vécu quelques années avec une personne russe. Mais je ne sais pas parler du tout. Hein. Ça va pas du tout m'aider, hein. C'est juste que le H est un N. Eh ben dis donc. Tu vas mourir? Sale bête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Qu'est-ce qu'il était en train de manger? Il y a tout un bazar mais rien ne semble utile.
Si, ça. J'ai du beef jerky. C'est la vie dans ce jeu? Le lore a l'air d'être plus fun. Il y a déjà trois espèces de monstres différents. Oui. Je pense que. Bon, ils ont essayé de faire mieux. Mais au niveau de l'histoire, tout ça. Le Silent Hill 2 est plus. Pour zoomer, c'est là. Oh, parfait. Putain, je trouve tout du premier coup là. On va faire tout l'étage à droite là. Et puis demain, je trouverai la version française. Ok, rien que pour vous, je referai tout. Avant, ça ira vite. J'ai une boisson revigorante. Quand on sait où aller. Est-ce que ça peut me. Est-ce que c'est pour ça que ça me paraît familier? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cause du livre, c'est à cause de l'hôtel. Hôtel, mais qu'est-ce qui me prend? Sauvegarde aboutie. Et on va continuer notre progression gentiment. Je suis très surpris par la version HD. Vous allez me dire que je suis surpris par pas grand-chose. Mais non, non, le jeu est très propre, quoi. Ok, tout est fermé ici. Je suis habitué à laisser mon doigt appuyé pour que quand un personnage court. Et là, ça ne veut pas. Alors ça me perturbe un peu. Là, on va continuer, on va aller à droite. Oui, j'ai téléchargé. Tati Daniel m'a offert plusieurs fois le jeu. Et il y a moyen qu'il y ait la version française dedans. J'ai assuré mes arrières en téléchargeant plusieurs versions. Mais celle qui marchait tout de suite, c'était celle-là. Et quand j'ai mis le jeu en français, j'ai pas fait gaffe que les panneaux allaient être en slave. Oui, moi j'ai partagé ma vie avec une personne slave pendant 3 ans. Donc j'ai un petit peu de. Je reconnais, si vous voulez. Je suis familier avec la langue, mais je ne sais pas le parler et je ne sais pas le lire. Aucun employé dans les parages. Je me demande où ils sont. Donc là, c'est la boulangerie, hein? Communément ce qu'on appelle la boulangerie. Du pain. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre? Du pain? Je n'ai pas faim, donc pas la peine de m'en occuper. Oui. Moi aussi, tout à l'heure, j'étais près de la table, et puis je me suis dit, tiens, j'ai pas faim. Il y avait de la nourriture en face de moi, et puis je me dis, bah, pas la peine de m'en occuper. Là, c'est fermé. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Il y a toujours un cadeau pourri dans le truc de. Ah, Tati Daniel, oui. C'était trop beau. Allez, allez, on peut passer là. Attends, on va regarder la carte. Pour savoir où on peut et où on peut pas. Bon, il y a la porte tout au bout à gauche. Faut que je me refasse un peu au maniement, hein. Je vous mens pas, c'est old school. Ah, ici, c'est verrouillé. Est-ce qu'il me l'indique sur la carte quand c'est verrouillé? Oui. Le maniement, ah ouais, là on peut pas. On pourra certainement, mais pas maintenant. Là, je sais pas ce que c'est, mais on y rentre. On n'a qu'à dire que le jeu se passe à Moscou. Ils me font pas peur. J'ai pas peur. Attendez, il y a du sang là, c'est quoi? Elle fait régime pour grimper la pile de carton, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que m'a dit Nictaras? Parce que les commentaires de Nictaras, toujours, c'est. Putain, ces grandes tiges avec leur sac poubelle au pogne. Le côté slave fait vraiment ancien bloc soviétique en russe, en ruine, ça passe bien, ouais. Donc attendez, je ziote un coup quand même la map pour voir où. Là, on est bloqué, hein, on est d'accord. On peut monter encore l'escalier pour aller au troisième? Oui. On va retourner à l'escalier. Regardez, là, on est là. On va remonter, on va prendre l'escalier. Donc je sors et je vais tout droit. Enfin, je vais tout droit, on se comprend. Je fais le tour et je vais tout droit. On reprend la porte, quoi. On va aller au troisième étage. Et c'est au troisième étage qu'on va trouver. Là, normalement, il y a les escaliers. Ah, il veut pas qu'on monte.
Il veut bien qu'on descende. Comment se fait-ce qu'on ne puisse pas aller Je regarde si c'est utile d'être ici. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Oui, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait là. On est repart sorti. Ah, elle regarde quand même quelque chose, hein. J'ai un bouton d'observation. On va ressortir. Oui, elle regarde quand même les choses. J'ai été mauvaise langue encore. Ok. On va bouiner un petit peu par ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Verrou cassé. Ok, on n'est jamais venu, hein, là. Ouh là 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 là, il y a un dog. Si, on est déjà venu. Ok. Très bien. Ah, on peut lui remettre des coups de latte jusqu'à temps qu'il meure, mais il est... Ah oui, il était pas mort. Ouh là là. Check un coup. Non, 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 mais moi je veux pas du tout aller par ici. Si, on peut quand même aller voir là au bout du couloir. Si c'est vraiment... Bon, allez, hop, toi, on te dodge, comme disent les speedrunners. Merde, on l'a dodgé pour rien. Putain. J'espère qu'ils vont être sympas niveau balle. J'espère. Oui, c'est la galerie Merchant Sordide. Bon, au début, ça va être un petit peu labyrinthique. Il y a quand même moyen là de ressortir par là. Ici, là, vous voyez. Je vais essayer. Je vais y aller. Parce que ce cadenas, il va bien falloir qu'on l'ouvre. Ok. En fait, elle zieute les endroits où on peut passer. On n'a pas fait ces portes-là, là. C'est cassé. Hop. C'est cassé. C'est fermé, pardon. Ok. Casier. La porte du casier ne s'ouvre pas, je laisse tomber. Toujours ces petites traductions un petit peu aléatoires. Toujours très plaisir. Ok, donc là, on est au clair. Hein. On a tout fait. Moi, j'ai bien envie quand même de rentrer ici et de ressortir pour voir si vraiment tout était... Ça, on l'aura déjà fait 1000 fois. Ok. Donc ici, qu'as-tu... Ah, en fait, c'est fermé. Il nous le montre pas sur la carte. Ah oui, si, voilà, maintenant il nous le montre sur la carte. C'est fermé. C'est fermé. Et là, c'est fermé aussi. Il faut vraiment qu'on y aille pour qu'il l'indique, en fait. Voilà. Donc maintenant, on va le savoir. Il faut vraiment, pour que notre map soit bien complète, qu'on aille... qu'on touche les zones. Coup de boule du clébar. Ils ont l'air coriace, ceux-là. C'est moi ou il y a la cover du jeu Silent Hill 2 sur les murs? C'est possible, hein, qu'il y ait des petits easter eggs, comme on dit. Il n'y a pas des trucs à ramasser sur le cadavre humain? J'en sais rien, en vrai, j'y pense juste. Le cadavre humain. J'ai pas fait attention à un cadavre humain. Ici, nous y sommes allés, hein. Ok. Bon, c'est une maniabilité old school, mais je vais m'y faire. Au moins là, on a tout bien checké la zone. Je vais recharger mon pistolet. En plus, c'est pas... Ah, mais j'ai plus de balles. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on se serve du coup de là. Hein. Ok. Donc là, on va reprendre l'escalier qui se trouve
Juste sur notre droite. Ouais, si je savais lire le russe, ça serait plus simple. Oui, voilà, avec là où il y a le cadavre du grand mec dans le magasin de fringues. Oui, voilà, avec cinématique où elle tuait le sac poubelle ambulant. Vous voulez que je retourne dans le magasin? Vous me dites qu'il y a un cadavre? C'est ici, hein. Il y a le cadavre de la Knacky. Il n'y a pas de... Il y a un autre cadavre? Ah oui, effectivement. Je vois d'ici que c'est mort. J'appelle les flics? Remarque, qui me croira si je dis que quelqu'un a été tué par un monstre? Non, c'était pas bête, mais... C'est pas ça. Mais c'était pas bête. Mais c'est pas ça. Mais c'était pas bête. Vois d'ici que c'est mort, oui. Non, mais la traduction m'a l'air de respecter la langue française admirablement. C'est Sergio, le stagiaire, comme dirait Tama, qui a dû faire la. Qui a dû faire la trad. Il a fait ça sur le pouce un dimanche, juste après son 4 heures. Bon, on regarde un peu mieux ça. On n'a pas mis le choix hein, quand on est ici. Hein. On a dû louper un objet. Hein. Je retourne. Vous savez quoi? J'ai envie de retourner sur mes pas. Ici, de toute façon, il y a que deux pièces. On va pas faire ça. Ça va pas durer 1000 ans. Hein. Tout est fermé, donc on va retourner dans cette pièce-là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a dû louper quelque chose. Bon, il n'y a pas le droit de fumer. C'est écrit en russe là. Je traduis. Hein. Il y a tout un bazar, mais rien ne semble utile. Non, non, non. C'est pas là. Donc c'est pas ici. Un peu de respect pour le CDD saisonnier, tu veux? Oui, c'est vrai, pardon. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais emporté là par une espèce de. Enfin, je sais pas, je regrette, voilà. Je regrette. Qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis senti tout permis, vous voyez? Comme un sentiment de puissance. Elle n'est pas intéressée, mais en même temps, elle aimerait bien en prendre. Hein. Je n'ai pas faim, donc pas la peine de s'en occuper. Non, non, il n'y a rien là. Hein. Alors peut-être ça. Aucun employé dans les parages. Je me demande où ils sont. Bah, moi aussi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est la petite clé. On est dans un autre cauchemar là où elle est juste sortie des chiottes. Bah, elle est juste sortie des chiottes et du coup, c'est encore le cauchemar. Donc, on se pose des questions. Et non, 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 non. Ils sont lents, mais en fait, c'est la maniabilité qui est dangereuse. On peut pas le... Là, il va... C'est verrouillé. Non, 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 il nous faut quelque chose. Allez, allez, tu passes, hein, tu passes. Non, non, non. Et oh, non, 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 mais c'est la même... On va se faire toucher à cause de la maniabilité, hein, c'est un enfer. Bon, c'est pas là. Hein. C'est pas ici. C'est pas ici. On reprend l'escalier. Non, mais on veut pas reprendre l'escalier, nous. Oh mon Dieu, on est coincé. Là, on est dans le monde réel de la réalité véritable. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit à propos de ça? Donc, attendez, il nous faut une clé, là. Ah, il y a une petite porte que je n'ai point fait. Que je n'ai point fait. Juste là. Vous avez vu? Je n'ai point fait cette porte. Le verrou est cassé. Non, c'est pas celle-là. Elle doit être juste là, cachée un petit peu. Voilà, elle était un petit peu cachée. Putain, elle est cassée. Elle est... Enfoirée. Enfoirée.
Y'a pas d'autre mot. Excusez-moi si je suis vulgaire, mais là. Ça m'agace. Bon, on peut retourner à la salle de save. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Je ne vois plus que ça, les enfants. C'est malheureux. C'est pas plus clair pour mon esprit embrumé. En même temps, si vous alcoolisez avant mes streams, on voit bien le respect, quoi. C'est-à-dire que sans se droguer, ça serait pas supportable. Ces petits écarts facecam me régalent, Romain. Please, continue. Je peux même te faire des petits pas comme ça. Ah, elle peut se retourner rapidement? Attendez. Faut que je tire ça au clair. Il y a un truc du gameplay que j'ai... Ah, voilà! Le demi-tour, et quand j'appuie sur les deux, c'est... Ah, là, je suis très content. J'ai trouvé quelque chose, grâce à toi. Regarde, hop, demi-tour. Ah ouais, superbe. Donc là, on est déjà perdu. On est déjà perdu. J'ai pas souvenir d'avoir été... On est déjà perdu. Donc on va reprendre l'escalier. On a oublié la clé quelque part. C'est quand même trippant si c'est... Je ne sais pas si c'est mon abruti ou quoi, mais je trouve ça brillant. Non, c'est brillant. C'est brillant. Mais vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que on a la map, on peut aller au troisième. Mais le troisième, eh ben, ça sera avec l'ascenseur. Hein. Ou avec autre chose. Non, mais j'ai dû louper quelque chose. Enfin, c'est sûr, mais... Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Presque impossible de passer avec toutes ces boîtes, ces palettes. Il nous faut la clé. Hein. C'était perdu sur les indications. Peut-être dans un casier? Non, mais j'y crois pas. La porte du casier ne s'ouvre pas. Je laisse tomber. Voilà. Elle est comme moi. On peut revenir dans les toilettes. Attendez, vous vous souvenez? On est arrivé par un endroit. On va y retourner. Ok? Donc là, c'est complètement derrière moi. On va refaire le chemin inverse. Maintenant, le détective, il doit être parti. Bon, moi, j'ai un petit bug d'affichage, mais a priori, vous ne l'avez pas. C'est ce qui compte. J'ai du tearing. On appelle communément du tearing. Mais bon, ça va passer. Vous ne l'avez pas, donc c'est parfait. Ce qui m'importe, c'est vous. Prenez. Prenez ce que je veux dire. Allez, hop. On repasse dans la ruelle. Maintenant, il fait nuit. On va aller au bout, là. Y a pas quelque chose? Pas de bol. Peut-être que si je la contourne. Tant pis. Mais comment une voiture s'est-elle garée ici? Oui, hop. Voilà. Mon petit demi-tour savant. Regardez-moi ce sprint. Non, c'est joli. C'est très très beau. Vous avez beaucoup de chance. Vous êtes des vénards. Je vous l'avais déjà dit ça, non? Puisque j'y pensais aujourd'hui. Et je me suis dit que vous étiez des vénards. Allez hop, on retourne ici. Et peut-être que maintenant on va pouvoir sortir. La porte est coincée, impossible. On regarde un petit coup dans les toilettes. Rien. Y'a rien du tout. Oh, je sens que c'est un stream. C'est un stream qui démarre bien. Moi, j'aime bien quand ça démarre bien. Je refais une sauvegarde, comme ça, ça me garde tout ce que j'ai fait. Vous avez vu, là, mon fond vert, il disparaît complètement quand c'est rouge, comme ça. Est-ce que vous auriez une idée de où pourrait se trouver cette petite clé? Bah marche arrière, cocotte. Elle est censée avoir quel âge, la petite là? Bon, je pense qu'elle a 17 ans. Je crois, hein. Enfin, je veux dire vraiment dans le jeu. Elle a 17 ou... Elle est pas majeure, je crois. Ah, mais il a... Oui, non, c'est la porte. Bon, je regarde encore un petit coup le plan. On a tout fait. Fait là.
pour quelqu'un qui connaît le jeu, j'imagine que c'est insupportable à regarder, hein. Je comprends très bien. Je me mets à votre place, je compatis. Je compatis. Là, je suis déjà paumé. Et je suis pas paumé, je cherche des clés. Bon, on regarde mieux que ça. Il y a forcément quelqu'un qui a une paire de clés ici. Là, dans le sac, là. J'aime les fringues, mais là, c'est ni le moment ni l'endroit. Ah, bah, je vois que ça te fait de l'effet, ces petites taches de rousseur. J'y ai déjà joué en plus, mais moins que Salantic 2. Plus que les deux verres de vin, pardon. Ouais, hashtag pardon. Non, mais on a tout notre temps, hein, de toute façon. On stream pour le plaisir. Disait Herbert. Il est pas mort d'ailleurs. Je dis comme disait Herbert, mais il est pas mort. Bah, c'est problématique parce que moi j'aime bien quand c'est fluide. Et là, de pas trouver la clé au tout début du jeu, bon. Un petit peu couillon quoi. Autour du cadavre? Alors on y retourne, hein. De toute façon on a que ça à foutre. Vous entendez ces bruits là? C'est bizarre. Hein. Peut-être. J'aime les fringues, mais ouais, ok. Allez, c'est vrai que. Ça, je vois d'ici que c'est mort. Mais on va essayer de raisonner intelligemment. Qui pourrait avoir la clé? Forcément un employé. Ah là, c'est ce sac à main là. Non. Mais en plus, tout est en HD, donc tout semble prenable. Vous voyez ce que je veux dire? Rien de particulier. N'attire l'œil sur le comptoir, on l'a déjà fait. Tout a l'air ramassable. On peut pick up. On peut tout ramasser, quoi. Non, je ne vois pas. En plus, franchement, tout se ressemble. Hein. Je suis obligé de regarder ma carte toutes les deux secondes. Hein. Tout me semble similaire. C'est horrible. Par contre, je suis très content des ombres. Très, très content des ombres. Je suis très content du rendu. Très plaisir. Mais tu peux pas aller dans le hub, dans la galerie marchande et te diriger vers d'autres directions? Bah non. Tout est cloisonné. Regarde. Regarde Nictaras. Tu vois les lignes rouges? C'est des volets. C'est fermé quoi. Non, l'idée ça serait de retourner dans cette salle là. Parce que ça, avec la boulangerie, c'est les seules pièces. Ben non, mais vous voyez bien, ici, il n'y a rien. Moi, je veux bien, mais non, non, non. Et elle le dit elle-même qu'il n'y a rien, regardez. Il y a tout un bazar, mais rien ne semble utile. Alors, faut regarder quand même ce qu'elle map, hein, ce qu'elle regarde. Hein. Alors, la clé, une fois qu'on l'aura trouvée, on va se dire, oh là là, que de temps perdu. Ça se voyait que c'était ici, ça se voyait. T'es nul. Qu'est-ce que t'es nul? T'as qu'un gros nul. Et votons pour une direction commune. Explorons la carte ensemble. Salut OC. Salut Onclod. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien, Onclod. Je vais pas te mentir. Ce soir, de toute façon, on va jouer carte sur table, on va être franc jeu. On a besoin d'une clé. On cherche la clé du cadenas. On la trouve pas. On va pas te faire miroiter un stream de qualité alors que ça n'en est pas un. On trouve pas la clé. Ça fait une heure qu'on trouve pas la clé. On était 10 000 au départ du stream, on est plus que 3. Viens, regarde. Et en plus, je me trompe de... On vient d'en reperdre 2, là. Je viens de me tromper de porte, on vient d'en reperdre 2. Bon. On retourne à la boulange, hein. Bon, allez. On regarde bien. Hein. Là, dans la petite caisse, là. Aucun employé. Dans les parages. Je me demande où ils sont. Qui est français par ici? Alors, moi, je suis franco-français. Hein. Je suis né à Vire. Je suis normand. Léa est française. Enfin, je crois. Et Nictaras...
Ça reste indéfini encore. Mais il est francophone, il comprend le français, enfin plus ou moins. C'est-à-dire que tu peux échanger deux, trois trucs, il va comprendre. Mais n'en attends pas grand-chose, hein, Van Cloud. N'en attends pas grand-chose. Il n'y a que William qui est de Las Vegas. Mate les tranches de pain. Oui, mais bon. Du pain, mais je n'ai pas faim, donc pas la peine de s'en occuper. Pain, mais je n'ai pas faim, donc pas la peine de s'en occuper. Non, 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 là on est dans un cercle non vertueux. Alors peut-être la tache de sang. Il faut qu'on regarde mieux. Le verrou est cassé. Tu vois là, il y a des rideaux. On peut le latter lui un peu? Il va nous faire du mal, il va nous faire du mal. Allez hop, on se barre. Non, non, non. Et on peut pas le casser ce truc là? Non. Allez, on se casse vite fait. Non, non, il y a... J'arrive pas à voir. Pourtant, croyez-moi, je suis loin d'être idiot. Je vous l'ai déjà dit, ça se voit pas comme ça, mais... La clé, elle doit être dans un espèce de truc où il fout toutes les clés. Mais le problème, OnCloud, pardon, c'est qu'on ne sait pas lire le russe. On ne sait pas lire le russe. Tati Daniel m'a offert le jeu, là. Je viens de le recevoir. Malheureusement, le jeu est en russe. Alors, tout ce qui est écrit sur les portes... En slave. Alors si tu sais parler le slave, tu vas nous être d'une très très grande utilité. Non, je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Quelqu'un sait où est la clé? Quelqu'un peut la regarder sur internet? On perd pas trop. On perd moins de viewers qu'on en possède. Parce qu'après, je vais être dans un solde négatif. On peut reprendre. Alors peut-être que c'est sous mes yeux et je ne le vois pas, mais là, non, on a tout fait là, on est d'accord. Là, il y a la porte qui est quel cadenas. Tu dis que la qualité du stream est nulle parce que tu trouves pas la clé, mais regardez un speedrun qui joue les yeux fermés, c'est pas si drôle non plus. Exactement. Exactement. Ce qui compte, c'est de passer du bon temps, même si on cherche une clé. On admire un petit peu le design. Moi, je suis d'avis à ce que la clé soit évidemment pas au même étage que la porte. Ça a toujours été comme ça dans les Silent Hill. Non, la clé doit se trouver dans une espèce de fatras, vous savez, où ils rangent tous les clés. Le matin à 7 h, il y a tous les vendeurs qui se pointent, ils ouvrent leur propre magasin. Enfin, c'est une grande famille, un centre commercial. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Un centre commercial, c'est une grande famille. Ils partagent les clés, il n'y a pas de voleurs. Ils ont un panneau là. Ils ont un panneau le matin où il y a toutes les clés de chaque magasin. Ils se disent salut, comme à la pointeuse. Comme à la pointeuse. Donc la clé, elle est quelque part comme là. Helen's Bakery, left of the door, are tongs now exit. J'ai rien compris. Helen's Bakery, left, à gauche de la porte, are tongs. Je peux pas t'aider, j'ai joué qu'une seule fois à ce jeu quand j'avais encore des cheveux. Des chevaux. Ou des cheveux, je ne sais pas. Oh, Nixaras, tu m'écris trop là. Store Doom examine the crate of holder in the. Est-ce que tu peux me le. J'ai pas le temps là, il faut que je joue. Store Room examine the crate holder in the back of the room with the key under it. Use the tong. Alors, faut que je retourne chez le baker pour prendre des tongs. Elle me marque pas toute la solution non plus. Sinon, je te banne. Voyez, hein, c'est là où on voit la méchanceté des gens. C'est que dès qu'ils ont un peu de pouvoir. Là, j'ai le pouvoir de banner, par exemple. Qui je veux, là? Eh ben, je ne le ferai pas. Mais c'est là où on voit la malveillance des gens. C'est vous verrez. Les gens, si vous leur donnez un tout petit peu de pouvoir, eh bien, tout de suite, s'ils l'utilisent pour faire de la malveillance, eh ben, c'est que c'est des mauvaises personnes. Non, si tu pouvais juste me traduire vite fait, Nictara, et de me dire. Quoi, je retourne au baker? Ah, des cheveux, voilà. Donc t'es comme moi, quoi, t'as plus de cheveux. Tu fais partie de cette élite à la Kojak.
Chope la pince dans la boulangerie, à gauche de la porte. Mais on a déjà checké 1000 fois. À gauche de la porte. Y a pas de pince là. Hein. Y a du pain. Y a pas de pince. Je vois bien qu'il regarde quelque chose, mais. Elle en a rien à foutre de regarder le petit truc là où il y a les bouteilles. Donc tout ce qu'elle veut, c'est de dire aucun employé dans les parages. Je me demande où ils sont. Tu vois, y a pas de pince là. Je suis portugais, mais c'est parti les haters. Allez, c'est parti les haters. Ah non, non, mais nous, on a. Les pro-européens ici. Ma femme est perse. La moitié de ma famille vit en Allemagne. J'en ai une autre partie en Angleterre et mon père vit en Corse. Mes frères sont corses. Alors je vais te dire, tes parents sont portugais, c'est très très bien. J'aime beaucoup le Portugal. En plus, c'est un endroit charmant maintenant. Je l'ai eu une fois dans ma vie quand il fallait aller se faire coiffer les beaux temps. Ouais. Mais moi j'ai eu les cheveux longs pendant 12 ans. Et après je me suis rasé le crâne, donc j'ai jamais été chez le coiffeur depuis peut-être 30 ans. La salle avec le sigil de sauvegarde, please. Toi tu. Pourquoi Léa tu dis ça? Pourquoi tu veux qu'on retourne à la salle de sauvegarde? Moi j'ai pas trouvé ta pince là, Tongs. Y a pas de pince. Je sais pas où t'as eu cette information, mais y a pas de pince du tout dans la salle dans la boulangerie. Par contre Léa, je suis intéressé, pourquoi tu veux qu'on retourne dans la salle de sigil? Allez Léa. On l'a pas assez exploré à mon goût. Du coup, il y a une chance de trouver la clé là. Oh, allez, allez, Léa, elle est motivée, elle a l'impression. Elle est pleine de vin blanc, elle est pleine de bons sentiments. Donc, du coup, elle est pleine d'intuition. C'est l'intuition féminine au vin blanc. Vous connaissez pas? Eh ben, vous allez voir. On va y aller pour rien. Ça va m'agacer. Ce sera la faute de Léa. Vous êtes prêts pour l'intuition féminine au vin blanc? Imminent. Mais quoi, c'est pas ici? Bah si. Ah non. C'est un tout petit plus à droite. Tout à fait. Allez, Léa nous dit que c'est là. Elle a peut-être raison, hein. Ashley. Oh mon dieu! Oh mon dieu, Léa, c'est pas la première fois que tu nous fais le coup. Sans vin blanc. Mais là, avec vin blanc. Quelque chose est tombé entre la table et le plancher. Je crois que c'est une clé. Si seulement j'avais les bras plus longs, je l'atteindrais. Tout à fait. L'autre gauche. Il y a une énorme pile de carton plein de livres sur la table. C'est beaucoup trop lourd pour être déplacé. C'est pour ça que tu parlais des cartons tout à l'heure. Ah, par contre, on n'est pas plus avancé. Bon, on a la clé. Bon, Léa, tu fais les choses à moitié, Léa. Je suis obligé de te le dire. Tu nous as dit où était la clé, on peut pas la prendre. Où tu veux en venir? Hein. Tu nous as donné de faux espoirs. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc il nous faut la pince dans la boulangerie. En fait, vous vous complétez admirablement bien, sauf que dans la boulangerie, il n'y a pas de pince. On va aller voir ça, on va aller vérifier tous vos dires. Je suis prêt à vous faire confiance ce soir. Ce soir, je suis prêt à vous faire confiance. Merde. Ah, j'ai oublié que je pouvais faire des petits demi-tours rapides. Ce soir, je vais vous faire confiance. Donc, on retourne à la boulangerie. Hein. Regardez-moi ça, comment j'esquive, mais mon Dieu. Mais... Alors là, il y a une pince que j'aurais pas vue. Alors que ça fait 50 fois qu'on vient. Du pain, hein, m'en occuper. En plus, je ne vois pas de pince. En plus, c'est beau, c'est gros. On voit bien. Elle était sur le petit plateau là. Attendez, je prends ma caméra. Le petit plateau là. Quel petit plateau là? Non, non, il n'y a rien sur le petit plateau là.
Pas de pince. Désolé, mais... Matt, ton inventaire? Tu crois qu'on l'a déjà? Si on l'a déjà, je vais vous en vouloir, hein, parce que faut... Ben voilà! C'est agaçant. C'est agaçant que vous soyez tête en l'air comme ça. Moi, je joue pour vous faire plaisir, parce que moi, le jeu, je l'ai déjà fait. Hein. Moi, je fais ça pour vous. Et si vous vous souvenez pas de ce qu'on fait... On a pas de copain. On a pas de copain. Malheureux qu'on en arrive là. Ça partait bien, là, depuis Silent Hill 2. En plus, hier, on a fait Born from a Wish. On a eu une bonne expérience. On était d'accord sur à peu près tout. Et puis là, vous me faites le coup de pas se souvenir qu'on a la pince. Bon. Alors que vous le savez. Moi, je joue, je me rends pas compte. Vous l'aviez vu. C'est inutilisable ici. Nous ne sommes pas sur le même vin, Léa et moi. Quelque chose est tombé entre la table et le plancher. Je crois que c'est une clé. Si seulement j'avais le bras plus long, je l'atteindrais. Ok, ok. Bon, là, je suis bien positionné, là, pour le jeu. Ah putain, il faut être au pixel perfect. On progresse, on progresse. Une heure pour choper la clé. Bon, vous êtes bien complété. Bon, un petit bonus quand même pour Léa. Alors, j'ai la clé prise avec les pinces. Un petit bonus pour Léa parce que Léa, elle l'a trouvée d'elle-même. Que Nick Taras, il a été regardé sur Internet. Ce qui est pas pour... Ce qui est pas pour me déplaire, mais en même temps, c'est un peu la honte. Mais bon, vu qu'on stream... Je suis sûr que si j'étais tout seul, j'aurais mieux vu. Mais là, je joue... Bon, allez. On va directement ouvrir ce truc. Oh, putain. Oh, putain. Ah, je me souviens quand même. On a eu du bol, là. Ah non, on va pas à la boulangerie, là. On va ouvrir le cadenas. Je vais te dodger, toi. Voilà. Bon, j'ai fait le grand tour. Vous me pardonnerez. Je me mets bien en face. On a deux clés en fait. On a la clé de la maison aussi. Allez. Et voilà. Et maintenant on est chez le disquaire. Ah, et on doit dealer une heure pour choper une clé avec une paire de pinces. Et on doit dealer avec un univers infernal. Léa a fait le jeu 6 fois. Silent Hill 2, oui. Silent Hill 3, non. Ok. Dis tout de suite qu'on te distrait. Par contre, c'est joli. Hein. C'est beau, mais c'est loin. Hein. C'est loin, mais c'est beau. Bon. On va peut-être s'écouter un petit... Eh ben, on dirait Lara Fabian, ici, là. C'est Lara. Hein? Regardez, là. C'est Lara, ça. Vous le voyez moins... Peut-être vous mettre un peu plus de luminosité après, si vous êtes sage. Bon, là, on a de la balle. On a de la IMO. Ok. Et là... Ah, et malheureusement, tout va être en russe. Hein. Oh mon dieu. C'est verrouillé, bah oui. Ah. Ça manquait, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Moi, je sais. C'est 4779. Ok, allez, arrête les bêtises. Je pense que le code va être... Je me souviens plus des énigmes, hein, pour notre plus grand bonheur. Il y a des magazines sur l'étagère. Certains semblent intéressants, mais je n'ai pas le temps. Alternative Records, quand? Oui, oh là là, quel magasin, j'y ai passé ma vie. Alors peut-être que le mec planquait son code juste dans sa caisse enregistreuse. Ça nous... Ça serait bien. Puis normalement les énigmes elles sont pas dures au début d'un jeu. De toute façon elle regarde quand il y a quelque chose à faire. Ah je me souviens. J'ai le livre de Shakespeare Anthologie 2. J'ai le livre de Anthologie 3. 5. Voilà. Allez. Va falloir qu'on les remette là. Évidemment.
C'est le seul endroit où il y a de la place. Peut-être devrais-je y placer les livres amassés par terre. Oui, je crois. Allez. Le temps qu'on a perdu, on va le regagner là. Alors, évidemment, peut-être pas falloir les remettre exactement dans l'ordre. On va voir ça. Où sur l'intérieur voulez-vous placer le livre? Eh bien, je veux... Pourquoi? Je veux le mettre là. Putain, c'est en russe. Comment on va faire, hein? Ah non, 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 non. Regardez-moi ça. Il y a du code, il y a du code. Bon, celui-là on le met à la fin, on le met pas. Il y a du code. Il y a du code, il y a du code, il y a du code. Celui-ci, mais qu'est-ce que je suis idiot, mais c'est... C'est pas possible, hein, d'être... Voilà, ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Voilà, 42. J'aurais même pas de chance jusqu'à la fin, hein, c'est... 42, 50... 51 ? Ou 51-42. 42-51, on est d'accord? Le premier en dernier. Donc toi tu dis 51-42. Allez. 42-51. Le 51-42, pardon. Je le sens aussi comme ça. C'est bon. C'est déverrouillé. Cinématique. Je smoke, je fume. Hey, wait, what's going on? Where is everybody? Those weird monsters? They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, despoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me, and your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Elle m'a l'air tout aussi claire que les autres personnages qu'on a croisés. Did you do all this? It was the hand of God. Oui, bien sûr. En plus, elle a pas de godasse. J'ai pas fait attention à ce détail. Mais il est fondamental. Wait! On ne marche pas dans un... Oui, oui, elle a pas de groll. On ne marche pas dans un... dans une grande surface. Sans, sans chaussures, évidemment. L'hygiène. L'hygiène dentaire, alors. I don't get it. What does she want me to remember? Elle veut qu'on se souvienne de quelque chose, Claudia, mais quoi? L'hygiène dentaire, Claudia. Pour le chien. Donc là, nous sommes après le disquaire, nous sommes, en fait, nous sommes dans... behind the scene. On est derrière le décor de toute cette petite fourmilière qui travaille au centre commercial. Faut pas que j'oublie que j'ai... Vous voyez, peut-être que Onclaw ne le sait pas, mais hop, je peux me retourner directement. Hein. Je le maîtrise très bien, ça. Ce retournement... Bon, l'ascenseur va pas fonctionner, évidemment. Et si? Oui, mais moi, ça m'arrange pas. Je voulais... Pas moyen d'ouvrir cette porte. Ah bah putain, il... Oh, c'était cadeau, ça. Et elle n'a pas de sourcils. La radio.
Une radio? Qu'est-ce que ça fait accroché au plafond? Je suppose que ça explique les interférences. Mais on n'entend que des parasites. Je me demande si elle est cassée. J'ai une radio. Dites-moi quand j'oublie de l'enlever ce bouton-là. Des fois ça m'arrive. Très rarement, évidemment. Ah bon, bah là, on est dedans, là. Tout à l'heure, on n'était pas sûr. On est certain, là. Not even a kid could believe in this. Ah, il est très beau, hein. Il est très très beau, hein, le jeu. On va passer une très très bonne expérience ensemble. Je sens que le jeu va nous plaire. Vous êtes gâtés. Vous êtes vraiment gâtés. Bon, là, ça, il s'agit de pas faire le con. Est-ce qu'on a la carte? Oh putain. Je suis mon feeling, hein. Le retournement, Romain. Le retournement. Puis on n'a pas save, alors... on peut le faire avec F5. Voilà. Oh putain, vous avez vu ça? On peut retourner dans l'ascenseur? Non. Qu'est-ce qu'elle disait? J'y appuie, mais l'ascenseur reste bête. Reste bête. C'est ça que j'ai bien lu. Ce que j'avais lu. Mais à quand le réveil? Bon. Bon, j'ai l'impression que le jeu va être beaucoup plus dur que le premier. Et c'est bien. Enfin, beaucoup plus dur. Le premier était vraiment, on a roulé dessus. Hein. Ah, là, on a une petite ampoule. Le jeu est très très beau en HD. Hein. J'ai une ampoule. Ok. Et une petite save officielle. Encore. Le regarder me fait mal à la tête. Mais d'un autre côté, ça me paraît tellement familier. Je sais que j'ai oublié quelque chose de très important. Mais j'ai l'impression que je ne ferais mieux de ne pas m'en souvenir. La bande-son est plus travaillée. En fait, c'est l'histoire qui va être un petit peu moins touchante. Mais le jeu est tout aussi bon que le... Enfin, c'est un bon jeu, Silent Hill 3. Il y a des livres et des magazines, mais je n'ai pas le temps de lire. L'histoire est un petit peu plus bateau, mais nous, pour streamer, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle regarde, là, comme ça? Hop là. Ah bah oui, mais elle regarde la carte. Ok. Est-ce qu'on a la carte du lieu? Oui. C'est une bonne chose. Donc nous sommes ici. On a le choix d'aller voir les toilettes, mais comme vous le savez, comme toujours, les toilettes vont pas pouvoir les faire pipi. Jamais elles sont ouvertes. Donc on va quand même y aller. On va faire les trois là et puis après on fera le couloir. Et voilà. Exactement comme je l'avais prévu. Faut pas que j'oublie mon retournement. Hop là. Là ils sont occupés. À mon avis on va pas pouvoir rentrer. Ils sont occupés. Allez, on file. J'ai ma radio qui s'allume. Ah non, mais le jeu est vraiment bien travaillé. Ça va être un plaisir. Ah, les ombres. Non mais je vais vous offrir une expérience, vous allez pas... Ah, on a un petit papier. Heureusement que c'est en français. Hein. Attention! En quittant la pièce, n'oubliez pas d'éteindre la lumière. Vous serez immédiatement si vous ne l'avez pas fait. Ok, on va le faire. Mais avant, je regarde avec la lumière allumée.
J'ai des balles de pistolet. Des balles de pistolet. Et j'ai une trousse de soins. Je regarde comment je suis niveau vie. Je suis pas trop mal. Je vais me prendre un... Ah bah j'en ai pris un pour rien. Maintenant c'est plus vert, c'est violet. Ok, on continue. Je vais aller éteindre la lumière. Il y a un interrupteur, la lumière est allumée. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Là. J'ai une lampe torche électrique. Voilà. Que je peux allumer et éteindre ici. Comment je le sais? Je vous dis tout de suite. J'ai mappé les boutons. C'est moi qui ai fait ça. Donc, sache tout en sachant que la lumière attire les ennemis. Hein. Avec les nappes vocales, le care of Calicienne. Alors, je ne connais pas. Il y a de ça, c'est vrai. Non, je ne connais pas, moi. Par les musiques, là, mais là, je ne connais pas la référence. Et pourquoi je le saurais automatiquement si je ne l'ai pas fait? Alors, on regarde la carte vite fait, juste avant de sortir. Nous sommes ici. Ah bah, tout a changé. Ah, on peut passer là, allez hop, on perd pas de temps. Il m'a loupé. Mon dieu, mais quel enfer! Oh putain, j'ai réussi à me faufiler. Ah, en fait, on est au même endroit, mais dans une version alternative dégueulasse. Liqueur of Calice, projet du type de Léviathan, Black... Ah oui, non, mais là, je connais pas, moi. Très salentile, finalement, dans l'esprit. D'accord. Bah, écoute, il faudra que tu me redonnes la... Sur Instagram, n'hésite pas à me redonner la référence. Donc là, on est dans une version, oui, cauchemardesque. Du shop où on était tout à l'heure. Bon, y a rien. C'est curieux qu'il y a rien. Ah, elle regarde quelque chose là. Oui, oui. Porte-manteau. J'ai un cintre. À chaque fois que je dis un truc, ils disent un autre mot. Quand c'est la machine à laver, ils disent que c'est le lave-linge. Quand je dis que c'est un porte-manteau, ils disent que c'est un cintre. Ah là là, ils veulent toujours avoir raison. En même temps, c'est vrai que c'est pas un porte-manteau. Un porte-manteau, c'est pas ça. C'est ma faute, en fait. Donc là, on peut essayer d'aller à gauche. Mais ça ne sert à rien. Donc on a le cintre. Oula. Donc maintenant qu'on a le cintre, j'imagine qu'il faut se refaufiler par là. Hein? On va tenter la porte de... les toilettes, tout le merdier. C'est bien plus stressant, hein. Je vais pas vous le mentir, celui-ci est bien plus stressant que Silent Hill 2. Alors là, on est dans une espèce de petite pièce. Là, on a trouvé du talc. Moi, je pense au talc parce que j'en mets sur les fesses de mon gamin tous les jours maintenant. Ah non, c'est de l'eau de Javel. Alors ça, par contre, j'en utilise très très peu. Juste pour les yeux, pour lui nettoyer les yeux. Non, sur les fesses, l'eau de Javel, c'est pas recommandé. Hein. C'est plein d'eau fétide et boueuse. On dirait que c'est bouché. Voulez-vous le déboucher? Oui. Oh, forget it. This is way too gross. Bah oui, non, mais tu vois, au dernier moment, elle a pensé comme toi. Who would even think of doing something so disgusting? Bah, James. Non, dans Silent Hill Origins, il le fait. Hein. Je suis dessus. Donc, elle ne veut pas. Mais on peut mettre de l'eau de Javel. Hein? On n'est pas con, maintenant. Merde. Bah, si, on est toujours un peu con. Objet. C'est inutilisable ici. Ah, on peut combiner. Je veux combiner avec ça.
On mettrait un cintre avec de l'eau de Javel? Non. Non, non, non. Bien joué, la petite vanne facecam. Oh. Fais de mon mieux. Dit-elle en nous regardant directement. Je pense que c'est juste l'occasion de faire une vanne. Genre, c'est nous qui allons faire son taf, non mais. Ok, ça, on va quand même examiner. L'étiquette dit danger, ne pas mélanger. Ok, donc quoi, on va faire un explosif? Non. Et cintre en fil de fer provenant de la boutique. Bon, ça va nous servir à autre chose, ça. Et ça, c'est quoi son petit collier, là? Pendentif. Il y a un joyau à l'intérieur quand une petite pastille rouge. Quand j'ai demandé à papa ce que c'était, il a dit un porte-bonheur. Puis, il m'a mis une gifle. Et il m'a dit d'en prendre soin et de ne jamais l'ôter. Chacun ses mœurs, hein. Et ça sert à quoi, ça? Du beef jerky, viande séchée, transformée. Ça peut aider à détourner un monstre. Ah! Vous voyez, il faut quand même qu'on aille faire un petit tour dans les inventaires de temps en temps. C'était juste l'occasion de faire une petite vanne. Ok, je suis en train de relire votre truc. Moi, je pense qu'il faut absolument faire quelque chose ici, hein. De toute façon, on n'a pas mille choix. Écoutez, je sors. Je vous assure que il est plus stressant celui-ci. Hein. Quand on est avec tous les monstres, là, on peut pas les tuer. On peut, mais on va aller à droite et puis on va voir si c'est bloqué ou quoi, ou qu'est-ce. Retournement, vous avez vu ça? Vous êtes gâtés, vous êtes trop gâtés. Je vais revenir, hein, je vais revenir, je regarde juste. Oh putain, j'ai réussi à rentrer. Ah mais là on est revenu Oh regardez là, il y a des trucs que j'ai pas fait là. Il y a deux, trois pièces que j'ai pas faites. Allez, on les fait. Il y a le chien qui est juste derrière. Enculé. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je bouine? Mais je vais pas crever ici quand même. F5. Je suis pas mort. Allez! Oh, dis donc, le jeu est coquin là, hein. Non, non, regardez, il y a deux pièces que j'ai pas faites, il faut qu'on y aille. Je fais une petite save. Il va falloir qu'on mélange... Le lit est baigné de sang foncé, c'est le sang de qui? Il y a quelqu'un d'autre à part cette femme? Hop. Alors j'aime bien la lumière rouge, mais... Elle dévoile tout le subterfuge de mon fond vert. Bon. Rapport à cette affaire sordide qui a eu lieu pas loin de chez moi, la nana enceinte bouffée par son staff. Elle se fait Pilarski la nana. Je sais pas ce que ça veut dire. Nictaras. J'ai pas la référence là. Je sais pas ce que c'est Pilarski. Pas compris. Pas tout comprendre. Allez, on continue. Je vais tout droit et là il y a une porte juste à l'angle à droite que j'ai pas checké. Et pour cause. C'était pas une porte checkable. Bah là c'est pareil. J'y vais mais vraiment je suis con. C'est vraiment histoire d'avoir une carte propre. Allez, cours Forest. Cours Marie-Jo. Mais non! On est là. Donc là, on a tout fait. Hein. Je tourne à droite. Ils ont pas l'air de me prendre beaucoup de vie, donc ça va. Putain, je l'ai dodgé là. Bon, là, on est ici. Bon, bah, très bien. On va regarder à gauche. Ah bah non, on peut. Non, très bien sur la. En théorie, mais en pratique, que dalle.
Non, 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 non. Bon, ça va, ils sont cons comme des balais. Parfait. Heureusement. Ah, il y a quelque chose ici. Un téléphone et la lampe en panne. Impossible d'appeler de l'aide. Non, mais tous les chemins mènent à Rome. Il faut qu'on aille débloquer ces chiottes. Bon, là, c'est là où on a eu la... la petite trousse de soins. Je regarde quand même où j'en suis niveau vie. Voilà, je suis rouge. Voilà. Voilà. Violet, c'est le... c'est parfait. C'est ce que j'ai compris. Hop. Bon. Moi, je me dis qu'avec le cintre... avec le cintre, normalement, on est censé pouvoir faire quelque chose. Quoi, les toilettes sont pas là? Oh, mais c'est agaçant. Je suis quand même... Quoi, j'ai passé la porte? Ah non, celle-là. Putain, mais je suis complètement idiot ou... Il y a la porte qui est juste à côté, j'arrive à la louper deux fois de suite. J'arriverai à battre mon record là. Ah oui, elle est juste là. Attendez, on va regarder les tuyaux. Évite afin de... Attends. Éteins la lumière dans les couloirs peut-être afin d'éviter les attaques des toutous. Oui, t'as complètement raison. C'est ce que je fais dans Origins, c'est là que j'ai pas pensé. Trop dégueu, je ne m'approche pas plus. Je ne veux même pas le regarder. Non, mais faut mettre l'eau de Javel. Pourquoi elle veut pas mettre l'eau de Javel? Peut-être parce qu'on l'a jamais fait. C'est inutilisable ici. Utilisable ici. Eh bien, il faut te forcer. Ouais, c'est ça. Bon, on en revient en haut, on en était un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que on est un peu bloqué. J'essaie de regarder un endroit où nous ne saurions pas aller, mais là, on a vraiment checké tout. Elle est curieuse, cette... Ah oui, parce qu'en fait, on peut passer en dessous, c'est pour ça qu'il ne nous indique qu'une petite flèche aller-retour. Le téléphone, il est curieux ce téléphone, hein. Ils nous mettent le logo, mais il n'y a rien à faire. Bon, en même temps, il y en a d'autres, logo de téléphone. J'ai envie de retourner. Hop, voilà. Il y a bien un truc à ramasser par ici. Oh là, bah, bravo! Ça reste 15 ans. Allez, oh, on se connaît à peine là. Bon, il y aurait quelque chose là. Là, on a récupéré un cintre. Ses vêtements sont dégueulasses. Ils sont tachés, éclaboussés de sang. Alors, des fois, c'est très soutenu, puis d'un coup, c'est dégueulasse. Il n'était pas comme ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien ces sauts qualitatifs dans la traduction. Ah, j'ai un gilet pare-balles. On a un gilet pare-balles dans le jeu. Je me souviens plus du tout de ça. Gilet pare-balles, lourd à porter, mais ça aide en cas d'attaque de monstre. Allez, je l'emporte. Je me souviens pas du tout du gilet pare-balles. On a un gilet pare-balles là. La skin du personnage a changé. Et du coup, on sera un peu plus lent. C'est bien possible. Hop, petit demi-tour. Je le maîtrise. Ça, c'est un truc que je maîtrise depuis qu'on a commencé à streamer, c'est le demi-tour. Ça, vous allez pouvoir me juger sur à peu près tout. Mais sur le demi-tour, là, je vous attends. Là, je vous attends, là. Là, je suis sûr de moi là-dessus. Sur le reste, moins.
Mais sur le demi-tour, pas de problème. Bon, lui avec son chien. Là, il y a un saut. Non, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Il va pas me laisser passer, si. Ah, la caméra, la caméra. Le jeu est beaucoup plus beau, mais le jeu, la maniabilité, c'est pas l'NNC édition, hein. Je vous le dis tout de suite. J'arrive à m'y faire, mais... Qu'est-ce que vous me proposez, là? Parce qu'on a, on est là pour passer du bon temps, on n'est pas là pour tourner en rond. C'est quand même fou, on va pas se prendre la tête à chaque fois qu'il y a une énigme. Surtout que j'ai pas souvenir du tout de m'être pris la tête avec ce jeu, quand je l'avais fait à l'époque. En même temps, le cintre, je peux comprendre que ça serve à rien, mais... Ou alors j'ai mal combiné, c'est une possibilité. Mais bon, en même temps, combiner un cintre, on a combiné ça et on utilise. Bah non, ça n'a aucun sens, évidemment. Un cintre avec de l'eau de Javel. Frappe à la porte fermée. I never play Silent Hill 3. You play well. Ah, thank you, William. You are very kind because my level is not very, very, very great. But thanks to you. Non, frappe à la porte fermée. Ok. Tu crois qu'il y aura Ernest? Comme dans... Eh oui. Il y a quelqu'un là-dedans? En plus, elle a vraiment frappé. Ça, c'est les petites choses que j'apprécie dans les jeux vidéo. Très plaisant. Mais s'ouvre! C'est encore plus dégueulasse qu'à côté. Bon, il y a du sang partout, mais il n'y a personne. Quelqu'un a-t-il répondu ou suis-je seul? Bon, qu'est-ce qu'il y a? On nettoie tout avec l'eau de Javel, là? Mais non, c'est curieux, ça, encore. C'est encore plus curieux, ça s'épaissit. Non, il n'y a rien de tout. Salut, Vénus. Burritos. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Nictaras, là. Il y a des moments, t'as des références que j'ai peur que seul toi comprenne. Avec toute mon amitié, des fois, j'ai peur que tes références, seul toi puisses les comprendre. Ah, parce que... oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. C'est scatologique. Le téléphone a l'air en panne, impossible d'appeler à l'aide. J'ai compris. Bon, là on fait un petit point, on est là. Malheureusement, je peine. Voilà, je vous le dis. Je peine. On a été à peu près partout là, si on est sérieux deux secondes. On regarde la carte. Hein? Vous la voyez comme moi. On a été partout. On aurait oublié quelque chose d'essentiel. Bon, sachant qu'il y a cet étage-là, certes. Mais il y a cet étage-là. Est-ce qu'on peut y remonter? Où sont les escaliers? On ne peut pas reprendre l'ascenseur. Il n'y a pas d'escalier. Je veux pas m'avancer, hein. Et regardez. Il n'y a pas possibilité de reprendre l'escalier. On est bloqué, là. The same time I'm walking, I can't stop to following. Must to play this game. I understand, William. I understand very well. Je trouve pas. Est-ce que Léa, t'as des idées? Léa, ce soir, elle a, avec son intuition féminine liée au vin blanc, nous a sorti d'une impasse tout à l'heure et j'aimerais bien qu'elle renouvelle cet exploit. Le diluant, près du tel, il y a une marque noire bizarre. Ah oui, là t'as bu trop de vin blanc, là, Léa. Là le vin blanc a pris le pas sur l'intuition féminine. Mais on va aller quand même vérifier ça, parce que ici, on fait confiance. À tort. On fait confiance à tort. La tache noire, là.
Ouais, c'est n'importe quoi ce que tu vas me faire faire l'air. Tu vois? Et toi, t'as foutu l'entache. Et ça y est, il a l'alcool mauvais, Nictaras. Il commence à me parler mal. Mais je pardonne. J'ai travaillé chez les AAA, d'Alcoolique Anonyme. Je pardonnerai tout. Bon, sinon, il y a cette pièce, évidemment. Ou peut-être on aurait omis de prendre un objet. C'est possible aussi, mais non. Attendez, il y a quoi? Bah là, c'est l'interrupteur, mais bon, si on le rallume... Ça ne sert à rien. Hein. Le mur entre les deux telles. Je vais bien retourner. Hein. Je vais quand même prendre en compte le conseil de Nictaras au niveau de la lampe. Le mur entre les deux telles. Non mais elle ne parle même pas là. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Elle est là. Je veux bien y retourner comme ça, là, vite fait. Et toi, tu dis le mur entre les deux telles. Attendez, elle veut la carte. Je peux y accéder aussi ici. Le mur entre les deux telles. Qu'est-ce que tu entends par là? Si tu fais utiliser le diluant dans l'inventaire, le mur entre les deux telles. Regarde, moi, quand on me dit ça, il y a deux telles. Hein. Là, il y a un mur. Et là, pourquoi je fais le diluant là? Aucune raison. Je suis quelqu'un d'assez... Je suis ouvert d'esprit. Hein. Mais là, il n'y a rien du tout là, entre les deux telles. Hein. Vénus, elle est avec... Elle est avec son bébé. Enfin, notre bébé. Bon, on n'en est pas sûr. Il faut qu'on fasse encore des tests ADN. Non, non, ça va pas du tout ton histoire de diluant. Puis c'est pas du diluant. C'est de l'eau de Javel. Alors ça peut diluer. L'enfant du malin. Non, je sais pas. Est-ce que l'un de vous pourrait aller regarder vite fait sur internet qu'on se perde pas en conjecture. Là, je trouve ça... Je sais pas pourquoi. Normalement, j'ai pas de problème. J'ai jamais eu de problème avec les Silent Hill. Mais c'est le fait de le streamer, je sais pas. Il y a peut-être un peu de... Faut-il que je jette un œil sur la Solus? Ouais, regarde vite fait ce qu'on doit faire avec les toilettes. S'il te plaît, Nictaras. Parce que là, on... Il faut que le stream soit fluide. Hein. Puis même pour nous, c'est plus agréable. Là, vraiment, je vois pas, puis j'ai pas envie de tourner 1000 ans. J'ai rien à prouver, le jeu, j'ai déjà fait. J'ai fini Sekiro. C'est sûr que j'aimerais bien trouver par moi-même, hein. Je déteste regarder la Solus. Mais là, vu qu'on est très nombreux sur le à regarder la vidéo, j'ai peur de perdre des followers. C'est ça, en fait. J'ai très peur. J'ai peur qu'on me quitte. J'ai peur qu'on en follow, j'ai peur de tout ça. Je vais essayer le... J'ai pas du tout souvenir, c'est vrai, hein, d'avoir eu problème. Alors peut-être que c'est une évidence pour les gens qui regardent. Mais là, trop dégueu, je m'en approche pas. Franchement, tu tires la chasse et puis voilà, tu tires la chasse, tu mets un peu d'eau de Javel et puis t'arrêtes de faire ta chochotte. Voilà ce que je pense. Voilà, j'ai dit le fond de ma pensée. Alors apparemment, il y aurait une échelle à récupérer avec le cintre. Merci. Alors, laisse-nous juste cette info. Alors, parce que comme ça, au moins, on allait perdre un temps fou. Il y aurait une échelle à récupérer. Alors, ça doit être dans une pièce. Mais ça se trouve, c'est beaucoup plus tard aussi. Oh mon dieu. Bon, on retourne ici, hein. À côté d'Happy Pet Burger, au premier étage. Le problème, c'est que tout est en russe. Pour les gens qui ne le savent pas, Tati Daniel, elle a ouvert son sac, elle a ouvert son petit porte-monnaie, elle m'a offert le jeu. Mais le jeu est russe.
Donc on a tout en russe. Donc les portes, les maps, on a un handicap, voilà. On s'est rajouté un handicap. Avec quoi lui, j'ai vraiment envie de le tuer. Mais je crois qu'au couteau ça va être chaud. Au Happy Burger, mais je me souviens plus où est le Happy Burger. J'essaie de me souvenir, et bah, forcément il est pas dans les couloirs. Il ne peut être qu'à l'extérieur. Et ils sont trois maintenant. Comment on fait? Oh là là, oh là, oh là là, oh je sens le piège se refermer sur moi. Allez, rentre, rentre, rentre. On peut pas rentrer. Putain. Ah mais ils sont quatre. C'est l'infamie là. On peut pas reprendre ça. J'appuie mais la sorcière reste bête. Ça me fera toujours rire cette traduction à la con. Non mais je veux pas la solution complète, j'ai juste envie de savoir si on fait n'importe quoi. Non mais moi je veux pas la traduction, je veux en français. En français, peut-être que tu ne sais pas lire l'anglais. Ah voilà. Ah voilà, voilà le terrible secret de Nick Taras. Il nous dit rien depuis tout à l'heure, mais parce qu'il a honte. Il ne sait pas lire l'anglais. C'est pas grave. Ça peut arriver. Bon, peut-être que dans les toilettes, il y a effectivement une échelle. Mais bon, je ne vois pas. Bon, je lis un petit peu vos bêtises. Voilà, j'ai beau te filer la solution, il faut encore que tu te fasses la traduction. Il faut que tu ailles dans la galerie marchande. À Invent in English. Ah d'accord. Donc t'as même pas besoin de le traduire. C'est toi-même qui c'est toi-même qui a créé l'anglais. Bon, écoute, je n'ayant pas d'informations là-dessus, je veux pas te croire, mais je mets ça de côté. Il faut que j'aille dans la galerie marchande. Il y a une échelle à prendre. Ok. Bon, on fait ça. Donc c'est en face de nous. Hein, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Toi tu dis parce que la galerie en fait nous y sommes dans la galerie marchande. Tout ça, c'est la galerie marchande. Donc là, on irait dans le couloir. Tu sais que c'est très dangereux d'aller dans le couloir. Hein. Donc je vais prendre mon pistolet. Mais j'ai que 4 balles. Hein. Moi, je vais pas m'en servir. Là, il y aurait une échelle. Ça me dit quelque chose en même temps, hein, cette histoire. Je vois pas d'échelle, là. Oh putain, je suis rentré vraiment au bon moment. Vénus. Hey William, sorry, I didn't notice you chatted. I was busy. Apparemment, ouais, les RG me disent qu'il y a un magasin de burgers avec une échelle qui pendouille. Un magasin de burgers. Oui, non mais... Eh, ça se trouve, t'es en train de nous dire la solution d'un truc qui est bien plus tard aussi. Hein. Fais attention, Nick Taras. Me spoil pas, quoi. C'est pas parce que on a un cintre que... En fait, là, on voudrait avancer. Mais ça se trouve, on doit s'affairer uniquement sur les toilettes. Là, ça se trouve, t'es en train de me spoiler ce qu'il faut faire avec le cintre bien plus tard. Là, il n'y a pas de burger. Alors, je suis un petit peu colère, mais il n'en est rien. Hein. Mais je préfère t'avertir tout de même. Hein. Non, ça reste vraiment dans le walkthrough, après que tu aies trouvé le gilet pare-balles et la lampe, donc on est dans le truc. Ok. Autant pour moi. Autant je peux être sévère, autant je sais demander pardon. On est des professionnels, donc je sais que tu ne m'en tiendras pas à rigueur. C'est pour la beauté du stream qu'on fait ça. Hein. Il faut qu'on soit efficace. Hein. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Donc on va essayer de trouver le burger. Toi, je te sneak. Ah, attendez, je regarde vite fait parce que je me trompe tout le temps. Non... Ça pourrait être ici, quoi. Là, il n'y a pas de burger. Ah, putain, mais ils sont de plus en plus nombreux. Alors, si vous voyez un burger, vous me le dites, hein. Ah, il n'y a pas de burger, là. Putain.
Bon, ça m'a agacé, hein. Là, c'est quand même Léa. Voilà, à chaque fois que nous sommes en peine, c'est Léa qui rentre dans l'arène. Ça arrive. C'est génial. Léa, le burger, t'avais un burger, toi? Premier étage? Nom de Dieu. On peut ne même pas prendre encore les escalators. Ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression de devenir un vieux con. Parce que quand j'y ai joué en 2003, croyez-moi bien que ça filait vite, que c'était fluide, et que j'avais aucun problème à trouver les pinces, les machins, les trucs. Là, à 41 ans, j'ai l'impression d'être devenu une merde. Enfin, je suis un peu vulgaire là comme ça, mais c'est exactement le ressenti que j'ai. Je trouve rien, je vois rien, je mets 1000 ans à me déplacer, je comprends même pas les énigmes. J'ai l'impression d'être... Je suis largué, voilà, faut le dire, à un moment donné, faut dire les choses. Je me sens largué. Oui, c'est un mélange d'Alzheimer, je sais pas quoi. Là, ils sont 6 maintenant ici, je veux dire, j'ai même pas envie de m'approcher. J'ai même pas envie de savoir ce qui se passe. Non, puis en plus, tu me dis qu'il faut qu'on cherche un burger, mais il n'y a pas de burger. Je suis désolé de le dire comme ça, aussi sèchement, mais il n'y a pas de burger. Bon, bah pour moi, ça serait dans les grands couloirs principaux, quoi. Mais j'en ai pas vu non plus, bah voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. La communauté est excellente, mais il faut le dire, ce sont des vrais cassés. Ouais. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais il y a peu de résultats. C'est ça qui m'agace. Et j'avais pris level 3 allemand, pas russe. Ah oui. Ben tu vois, ça aurait pu nous aider. Mais en même temps, le burger maintenant, il a changé de tête. Oh là là, on peut rentrer ici? Oh mon dieu, j'ai débloqué moi-même la situation. Et vous êtes d'accord qu'on pouvait pas le savoir? Bon. Il a fallu que je prenne les choses en main, j'ai pris les choses en main, voilà. J'ai pris les choses en main. Regardez là, faudrait peut-être pas utiliser le cintre. En fait, j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis dit, le burger, il était là. Mais évidemment, on peut pas le reconnaître puisque tout est dégueu. C'est inutilisable ici. Et attendez, là, je veux bien être gentil, mais... Ah voilà, une échelle pend à mi-chemin entre le plafond et le sous-sol. Mais même en montant sur la table et en tendant le bras, je ne l'atteindrai pas. Si seulement j'avais quelque chose de long... Alors, Nictara, s'il te plaît, pas de blague. Je sais déjà que t'es en train de l'écrire. Je sais déjà que t'es en train de l'écrire. C'est l'autre Javel. Tu m'as bien vu. C'est bien, bonne répartie. Et t'es pas le seul à l'écrire, ouais. Bon, je commence à vous connaître, hein. Les catégories socio-professionnelles et le niveau des spectateurs de Twitch, excusez-moi, j'ai fait une étude. C'est pour ça que ça fonctionne bien pour moi. C'est que, bon, bah voilà, j'ai compris à qui j'avais affaire. Et qu'on a vite compris. Donc on a compris à qui on avait affaire. On sait qui sont les spectateurs. Donc on se retrouve à l'étage. T'as vu ça, Léa? Sérieux, hein? Cette soirée. C'est bien plus calme maintenant. Hein? Donc en fait, là, on est passé de l'autre côté. Enfin, on est monté sans avoir pris les escalators. Voilà. De toute façon, ils nous étaient inaccessibles. Bon, on se souvient, il y a les escalators ici. Hein. Et j'ai envie de jeter un petit coup d'œil. T'aurais peut-être préféré les spectateurs de TV-réalité. Non. Oula, oula. On va autant que faire se peut, si on peut éviter de leur faire du mal et s'ils peuvent éviter de nous en faire, ça serait fantastique. Bon, j'ai l'impression que c'est une pièce qui sert à rien. Pour l'instant, on va dire qu'elle sert à rien. Là, il y a une téloche. On va t'attendre, Nictara, ça va.
Autant pour moi, il fallait absolument que je fume. J'ai coupé le micro pour pas vous embêter. Bon, là, on a une autre télé, mais celle-ci, on la reconnaît. Elle nous est familière. C'est évidemment celle pour la save. Sauvegarde aboutie. Bah, c'est parfait. Donc là, on a fait 1h50. Comment vous vous sentez là? Parce que moi, je travaille à la maison, donc moi, je peux continuer à streamer un petit peu. Mais vous, là, les gens, remue pas ton rosé, Nicta. On continue encore un petit peu? Continue encore un petit peu. Le jeu est si plaisant. Vous êtes si gentil ce soir. Ah! J'ai trouvé une noix. Elle s'émerveille de peu quand même, hein, là, Ashley. Elle trouve une noix, elle la met dans sa poche, quoi. Elle doit avoir les poches remplies de conneries, hein. Un trombone, une bagouze, un chewing-gum. Il contenait un bel anneau en argent la dernière fois. Si j'avais su, zut. Ah, elle regrette de ne pas avoir pris la bague. Tu vois, elle ramasse tout. Une sorte de pie. Une sorte de pie. On va essayer d'être méthodique, hein, comme d'habitude. Vous avez vu, c'est un vrai survival horror là. Hein. On n'a pas assez de balles pour les ennemis. Hein. Ça me plaît. Hein. Je vais même vous dire un truc. Il est même un peu plus efficace que la NES Edition de Silent Hill 2 qu'on vient de terminer. Hein. À jouer, il est plus stressant. Hein. Étant donné qu'on peut pas tuer les ennemis comme ça à la chaîne. Bon, là, vraisemblablement, tout est cloisonné, mais il y a deux portes qu'on pourra ouvrir. Je propose qu'on revienne et qu'on prenne les escaliers. Alors, je vais mettre la caméra dans le bon sens. Merci. Et puis, elle court beaucoup moins vite depuis que j'ai mis le gilet pare-balles. Alors, est-ce qu'on peut reprendre l'ascenseur maintenant? Ce qu'il me dit. Même le bouton d'appel semble cassé, pas moyen d'ouvrir la porte. Vous avez vu, quand je lis quelque chose, à contrario de Resident Evil, ça ne met pas le jeu en pause. Hein. Ça, c'est un truc à savoir. Désolé de ne pas avoir été à l'auteur ce soir. On en discutera hors chat. On en discutera juste après. Une belle soirée à vous. Je suivrai la suite dès demain. Ah, ben, on peut s'arrêter là, hein. On a fait une save. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? On continue demain? On retourne près de la petite téloche, on fait une petite save. Et puis on reprend demain à 21h. On a streamé 2 heures, c'est pas mal. Léa, elle a fini la bouteille, là. Elle a fini la bouteille, j'en ai bien peur. Alors, Léa, où es-tu, Léa? Ah, on peut rentrer ici. Ah ben on l'a fait, on l'a fait. Ben, je regarde vite fait quand même s'il n'y a pas un objet essentiel. Non. Ah, il y avait une porte. Peut-être qu'on l'avait déjà prise. Regarde ça. On peut déverrouiller. Voilà, c'est déverrouillé. Très mauvaise idée que j'ai eue. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Poussez-vous, condomime. Ah là, une petite gélule. Qu'est-ce que. Une belle soirée va où? Nick Taras, Night Bro. Bah, Léa est partie, hein, je pense. Tout le monde est parti. Non, on fait une petite save ici. Puis moi, je trouve que c'est bien de faire des lives de 2 heures. En plus, moi, au niveau même de l'énergie, pour pouvoir vous parler et tout. Après, je baisse de régime. Et c'est moins qualitatif. Voilà. Je vous le dis, c'est moins qualitatif. Moi, je le ressens. Puis après, j'ai l'impression de me forcer. Puis c'est jamais bon de se forcer. Donc le mieux, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous. Vous avez vu ça? Comment c'est joli là? Bon, lui le chien, il s'en fout, vous le savez bien, hein, pourquoi. Hein. Tant qu'il a son flingue dans la bouche, il n'a rien à faire de ce qu'on puisse jouer ou accomplir. Ah ok Léa, j'ai dû rafraîchir ma page, la vidéo ramée. Ok. Bah écoute, comme ça tu pourras regarder un petit peu la VOD, si t'as loupé quelques moments clés. Donc je vais vous laisser sur mon excellent générique de fin. Et pour ceux qui sont intéressés,
On continue demain à 21h. Ok? Bien, j'embrasse Claude, j'embrasse Nictaras, évidemment, j'embrasse Vénus, j'embrasse William, j'embrasse Léa et tous ceux qui nous ont vus, qui nous ont stalkés et qui sont restés pendant le live. Donc je vous dis à demain. Et puis, non, mais l'aventure s'annonce bonne, mais sauf qu'il va falloir trouver les bons objets au bon moment. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore à vous pour votre aide. Je vous embrasse et à demain. One moment when the music captures our soul.